Bonjour chers apprenants, l'objectif de cette séquence est de vous rappeler et de vous expliquer les éléments les plus importants de la leçon système de deux équations du premier degré à deux inconnues. Plus précisément, on verra la définition de ce système, ses différentes méthodes de résolution et comment résoudre un problème mathématique par tel système. Définition. On appelle un système de deux équations du premier degré à deux inconnues la donnée simultanée de deux équations du premier degré à deux inconnues, c'est-à-dire on va travailler avec deux équations en même temps. Dans la définition suivante, A, B, C, A', B' et C' représentent des nombres donnés, alors que X et Y, ils désignent des inconnus. L'exemple suivant représente un système de deux équations du premier degré à deux inconnus X et Y. Comment résoudre un système d'équations? Il existe deux méthodes de résolution algébrique, la méthode de substitution et la résolution par la combinaison linéaire. La méthode de substitution. Le principe de cette méthode est très simple. Ça consiste, dans un premier temps, à isoler une des inconnues dans une des équations. Donc là, ça sera à vous de choisir. Prenons l'exemple suivant. Dans ce système, on essaie d'isoler le x dans la première équation. Et on obtient x est égal à 13 moins 2y. Puis, on remplace le x dans la deuxième équation. On trouve 3 facteurs 13 moins 2y moins y égale à 4. Donc voilà, on a trouvé une équation avec une seule inconnue. Et là, on détermine le y. Y vaut 5. On a fait la moitié du travail, puisque le système se résout lorsqu'on détermine le couple x-y. Et pour trouver la valeur de x, on revient tout simplement là où on a isolé le x. Donc on prend x est égal à a, 13 moins 2y. On remplace le y par sa valeur. On calcule et x vaut 3. La solution de ce système est le couple 3-5. La méthode de combinaison linéaire. Le principe de cette méthode, c'est de multiplier l'une ou les deux équations par des nombres convenablement choisis de manière à ce que l'une des inconnues disparaisse par addition membre à membre. Dans le système suivant, on a multiplié la première équation par moins 2 et la deuxième par 3. On développe, on simplifie et on trouve 4x moins 6y est égal à 8 et 15x plus 6y est égal à moins 3. On additionne membre à membre, on simplifie et on trouve une équation avec une seule inconnue. Maintenant, on peut découvrir la valeur de x. X vaut 5 sur 19. Et pour déterminer la valeur de y, on multiplie la première équation par 5 et la deuxième équation par 2. On simplifie, on développe et on trouve moins 10x plus 15y est égal à moins 20. Et 10x plus 4y est égal à moins 2. On additionne membre à membre,
On simplifie, on trouve 19y est égal à moins 22. Donc, y est égal à moins 22 sur 19. Alors, la solution de ce système est le couple 5 sur 19 et moins 22 sur 19. Dans cette partie, on vous propose la méthode de résolution graphique. Résolvons le système suivant graphiquement. En exprimant le y en fonction de x dans chacune des équations, on obtient y est égal à 1 sur 3x plus 3 et y est égal à moins 2x moins 4. On prend la droite d1 avec l'équation réduite y est égal à 1 sur 3x plus 3 et la droite D2 avec l'équation réduite y est égal à moins 2x moins 4. On constate que les deux droites n'ont pas la même pente. Donc, on peut déduire qu'elles ne sont pas parallèles. Et lorsqu'on trace ces deux droites dans un repère orthonormé, on peut déterminer les coordonnées de leur point d'intersection qui est nommé ici M. Alors M, il a comme coordonnée moins 3, 2. D'où moins 3, 2 est la solution de ce système. Dans cette partie, vous allez apprendre à résoudre un problème mathématique par un système de deux équations à deux inconnues. Pour cela, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour prendre connaissance de ce problème. Pour résoudre ce problème, il faut d'abord suivre les étapes suivantes. La première étape, choix des inconnus. C'est-à-dire, il faut créer des inconnus x, y et z, par exemple, qui désignent dans notre cas le nombre de cadres et le nombre d'employés. La deuxième étape, la mise en système d'équations. On sait qu'il y a 40 salariés. Alors, x plus y est égal à 40. Voilà notre première équation. Et puisqu'un billet d'avion coûte 2500 dirhams, alors le coût des billets en avion sera 2500x dirhams. Et on sait qu'un billet du train coûte 600 dirhams, alors le coût des billets en train sera 600y dirhams. On sait que le montant du chèque est 46 800 dirhams. Alors, on aura l'équation suivante. 2500x plus 600y est égal à 46 800. Et en simplifiant cette équation, on obtient 25x plus 6y est égal à 468. Et on obtient le système suivant. X plus y est égal à 40 et 25x plus 6y est égal à 468. La troisième étape, c'est résoudre ce système. Donc là, on a appliqué la méthode de substitution. Vous pouvez aussi utiliser la méthode de combinaison linéaire. Alors, x est égal à 12 et y est égal à 28. La vérification et l'interprétation du résultat. Vérification. Là, on vérifie que la solution finale de ce problème est vraisemblable. Pour cela, on a remplacé le x et le y par leur valeur dans les deux équations et on a trouvé que les deux valeurs vérifient les deux égalités.
Donc maintenant, on passe à l'interprétation des résultats. Voilà, on conclut qu'il y a 12 réservations en avion et 28 réservations en train. Et résolu, cette séquence est terminée. À la prochaine.